Nous parlons de Côte d'Ivoire, où le président du FASO a reçu ce mardi une délégation de la Croix-Rouge de la Côte d'Ivoire. La délégation a fait au chef de l'État le point des actions menées au Burkina Faso par le Comité international de la Croix-Rouge. Ces actions du CICR sont réalisées au profit des populations affectées dans les zones sensibles. Le président de l'audience avec Nongba Kouda et Nathalie Sawadgo Nabalou. Avec le président du FASO ROC, Christian Kabore, le chef de la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge CICR a évoqué les actions de son institution au Burkina Faso. Il a aussi réaffirmé la volonté du CICR à toujours œuvrer aux côtés des populations burkinabées qui sont en difficulté. La rencontre aujourd'hui a confirmé le bon d'interaction que le CICR a pu avoir au cours des années passées et puis encore plus précisément au cours des derniers mois. Que ce soit au niveau agricole, que ce soit un peu partout dans le pays, en particulier au nord et à l'est du pays, où l'interaction, encore une fois, avec les autorités, mais aussi tous les acteurs en scène, est fondamentale pour nous, pour apporter une aide humanitaire aux populations qui en ont le plus besoin aujourd'hui au Burkina Faso. Selon la représentation du CICR Burkina, environ 12 000 personnes déplacées internes de la région du Sahel reçoivent une assistance.